for the Lord will deliver it into the hands of the king. And Jehoshaphat said, is there not still a prophet of the Lord here, that we may inquire of him? So the king of Israel said to Jehoshaphat, there is still one man, Micaiah, the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord. But I hate him, because he does not prophesy good concerning me, but evil. If you have a pen, underline, but I hate him, because he doesn't prophesy good about me, but evil. Si vous avez un stylo, si vous avez un truc, il faut souligner, mais il n'a pas prophétisé le bien de moi, mais que du mal. Continue. And Jehoshaphat said, let not the king say such things. And the king of Israel called an officer and said, bring Micaiah the son of Imlah quickly. The king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah, having put on their robes, sat it on his throne at the threshing floor at the entrance of the gate of Samaria. And all the prophets prophesied before them. Now Zedekiah the son of Shema had made horns of iron for himself, and he said, thus saith the Lord, with these you shall call the Syrians until they are destroyed. Amen. Et nous en passons. Mais Jehoshaphat a vu consultation le Seigneur. À quatre, le roi d'Israël réunit ses prophètes. Ils sont à peu près 400. Le roi leur demande, est-ce que je dois aller attaquer Ramoth de Galaad, oui ou non? Les prophètes répondent, oui, vas-y, le Seigneur te livrera la vie. Pourtant, Jehoshaphat demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut consulter le Seigneur pour nous? Le roi d'Israël répond, nous pourrions demander à Michée, fils d'Imar, mais je le déteste. En effet, il ne m'ajoute jamais rien de bon, de toujours du mal. Jehoshaphat dit à Akab, ne dis pas cela. Alors le roi d'Israël envoie un fonctionnaire du palais chercher Michée, fils d'Imar, le plus vite possible. Le roi d'Israël et le roi de Juda se trouvent sur la place qui est près de la porte Samarie. Chacun est assis sur son siège royal. Ils portent leurs vêtements de roi, ils écoutent le prophète leur parler au nom du Seigneur. Parmi eux, il y a un prophète appelé Sidekia, fils de Kenaa. Il s'est fabriqué des cordes de fer et il crie à Akab, le Seigneur te dit, tu attaqueras les Syriens comme un taureau aux cordes de fer et tu les écraseras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Let's pray. Prions. Father, we thank you for your word. Père, nous te bénissons pour ta parole. We pray that any day you send your word to advise us. Nous prions qu'à chaque fois que tu amènes ta parole pour nous conseiller, to teach, pour enseigner, to fortify, pour fortifier, to rebuke, to correct, pour reprimer, pour corriger, so that your children will be thoroughly finished, pour que tes enfants soient bien enseigné, qui soit fortifié, qui soit encouragé, qui bouge à un autre niveau, in the calling that you have called us, dans l'appel que tu nous as appelé, and above all, et au-dessus de tout, to destroy the works of the enemy, pour détruire les œuvres de l'ennemi, to overcome his tricks, pour vaincre ses pièges, and to resist him, et pour le résister. For by knowledge, par ta connaissance, we shall never perish. On ne va jamais périr. Said, lack of knowledge make your people perish. On dit par manque de connaissance, mon peuple périt. But by knowledge, par ta connaissance, you cause us to live. Tu nous permets de vivre. We pray that let your spirit take control. Nous prions que ton esprit prenne contrôle. In this word you have given to us today. Pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Because of time, à cause du temps, I'm not teaching, but I'm preaching. Je n'enseigne pas, mais je prêche. And the title of this message, le titre de ce message is that don't compromise. Faut pas te compromettre. Alléluia. Amen. Tell your neighbor, don't compromise. Dis à ton voisin, ne te compromets pas. You see, when we talk of don't compromise, quand on parle de ne pas se compromettre, it's not only compromising with your neighbor, c'est pas seulement se compromettre avec son prochain, but also with the thoughts that come in your mind. Avec aussi les pensées qui viennent dans ta tête. The devil can bring the devil talks. Le diable vous parle. Hallelujah. Sometimes you see that you are not going to any place, you are at your place,
But there are thoughts that are going on in your mind. Souvent tu es là, tu vas pas à un endroit, mais il y a des pensées qui viennent dans ta tête. And the wicked things, imagination that comes in your eyes are even more than even if you are taking knife to kill somebody. Les imaginations mauvaises qui viennent dans votre tête sont plus dangereuses comme si vous êtes en train de poignarder quelqu'un. Hallelujah. It is also sin. C'est aussi un péché. There is a whole lot of ways. Il y a plusieurs manières that the devil comes our way, que le diable vient sur notre chemin. Us to compromise. Il veut que nous nous compromisions. You see, if the Bible says, si la Bible dit, resist the devil, de résister au diable, and he will flee from you, et il va fuir de toi, the only way you can resist the devil, la seule manière où tu peux résister, see, the devil is a spirit. Le diable est un esprit. You cannot fight him. Tu ne peux pas le combattre physically. Physiquement. The only way you can fight him, la seule manière où tu peux le combattre, c'est d'entrer dans l'esprit. And how do you enter into the spirit? Comment entres-tu dans l'esprit? By invoking the name of Jesus. En invoquant le nom because de Jésus. Because when you call on the name of Jesus, quand tu appelles le nom de Jésus, Jesus comes to take your place. Jésus vient prendre ta place. That is why when you pray, c'est pour cela que tu pries in the name of Jesus. Et quand tu pries au nom de Jésus, you activate the spirit of the Lord. Tu actives l'esprit du Seigneur. To move. Pour qu'il agisse. You et l'esprit de Dieu en toi to move. Pour qu'il agisse. Alléluia. Amen. Don't forget, n'oubliez pas, as you are seated, pendant que vous êtes assis, you have your own spirit, vous avez votre propre esprit and the spirit of God, et l'esprit de Dieu as you are born again, en tant qu'être chrétien né de nouveau, il est en toi. Hello. Hi. The spirit of God, l'esprit de Dieu helps your spirit, aide ton esprit or controls your spirit, ou contrôle ton esprit, so that pour que you not be enslaved by the devil, pour que tu ne sois pas esclave du diable. So the Bible says, la Bible dit, the spirit of God in you, l'esprit de Dieu en toi, bears witness, témoigne, with your spirit, avec ton esprit. So it means the spirit of God in you, cela signifie que l'esprit de Dieu en toi agrees with your spirit, est d'accord avec or makes your spirit to realize. Permet à ton esprit de réaliser that you are a child of God. Que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. The Bible says, la Bible dit, when we resist the devil, quand nous résistons au diable, he will flee il va fuir de nous. As a Christian, en tant que chrétien, whether you like it or not, que tu le veux ou pas, the enemy, the devil, will come in so many ways. L'ennemi, le diable, a venu sur plusieurs formes. Even Jesus, même Jésus, God, Dieu, who took the form of a man, qui a pris la forme de l'homme, who became the son of man, qui est devenu un fils d'homme. Even he, même lui, when he came, quand il est venu, the devil tempted him. Le diable a tenté. So don't think that when you become a Christian, ne crois pas que quand tu deviens chrétien, you will not be tempted. Tu ne seras pas tenté. Or the devil cannot come your way. Et le diable ne peut pas venir sur ton chemin. He can come. Il peut venir. But you have a way. Mais tu as une manière. You have the power. Tu as la puissance. And you have authority. Et tu as l'autorité. To resist it. De résister. Don't compromise with it. Tu ne dois pas compromettre. Only when the devil overcomes you. À chaque fois, à quel moment le diable peut te vaincre? Is when you compromise. C'est quand tu tombes dans la compromission. Normally. Normalement. When you are born again. Quand tu es né de nouveau. There is no way. There is no way. Il y a pas de manière. That you should be possessed. Que tu dois être possédé. Somebody who says he's born again accepted Christ. Quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau qui a accepté Christ. Then they say the person is possessed. Et on dit cette personne est possédée. Pourquoi? Because the Bible says, parce que la Bible dit, Jesus, Jésus, is the light, est la lumière. The Spirit of God, l'esprit de Dieu, is light, est la lumière. So when the where light is, partout il y a la lumière. Darkness can never take control. Les ténèbres ne peuvent pas prendre contrôle. It says darkness can never overcome the light. On dit la lumière ne peut pas vaincre. So if you are a child of God, donc si tu es un enfant de Dieu, filled with the Spirit of God, rempli de l'esprit de Dieu, how then are you controlled by the devil? Pourquoi le diable arrive à te contrôler? How then are you possessed by the devil? Pourquoi es-tu possédé par le diable? It will only be possible. Cela sera seulement possible. If you compromise with the devil. Quand tu te compromets au diable. Hallelujah. Amen. If you open the door for him. Si tu ouvres la porte pour lui. And this story in the book of First Kings.
Et dans ce livre, cette histoire dans le livre de Deuxième Roi, it's the story. C'est une histoire. That brings and opens your mind. C'est une histoire qui ouvre ta pensée. To know. Pour savoir. That if you are not compromising. Pour savoir que si tu ne te compromets pas. It is not easy. C'est pas facile. But at the end of it. Mais à la fin de cela. You triumph. Tu vas triompher. Hallelujah. Amen. If you are not compromising. Si tu ne te compromets pas. It is not easy. Ce n'est pas facile. But at the end of it. Mais à la fin de tout cela. You will win. Tu vas gagner. The story we read. L'histoire que nous avons lue. Is about the king of Israel. Cela concerne le roi d'Israël. And the king of Judah. Et le roi de Juda. Whose name is Jehoshaphat. Que son nom est Jehoshaphat. They were friends. Ils étaient amis. King of Judah went to visit the king of Israel. Le roi de Juda allait voir le roi d'Israël. And the king of Israel said. Et le roi d'Israël a dit. Why you know the land there is for us. La terre là-bas est pour nous. The land that the Syrians have covered is for us. La terre que les Syriens ont pris est pour nous. We should possess our possession. On va posséder notre possession. It is ours. We have to get it. C'est pour nous. On doit la prendre. The land in Ramoth in Galilee. La terre de Galilée est pour nous. It is for us. C'est pour nous. We should take it from our hands. On doit le prendre de la main. You see, there are things that you know God has given to you. Il y a des choses que tu sais que Dieu t'a donné. That if you sit down. Mais si tu t'assois. Hallelujah. Amen. You cannot get it. Tu ne vas pas les avoir. Amen. Amen. But you have to wake up. Tu dois te lever. The Bible says. La Bible dit. The king of Jehoshaphat. Le roi de Jehoshaphat. Or the king of Judah. Ou le roi de Juda. Told the king of Israel. A dit au roi d'Israël. Hey, it is true. C'est vrai. The land was given to us by God. La terre nous a été donnée par Dieu. But have you asked God? Est-ce que as-tu demandé à Dieu? Amen. Amen. Most of us, our problem. Souvent nos problèmes. Is that we don't ask God. On ne demande pas à Dieu. We leave God from our way. On laisse Dieu à part. We do it with our strength. On fait cela avec nos forces. Et quand cela ne marche pas, we blame God. Et on blâme Dieu. Hallelujah. Amen. The Bible says. La Bible dit. Jehoshaphat. Jehoshaphat. Asked the king. A demandé au roi. Have you inquired from the Lord? As-tu demandé? As-tu questionné Dieu? Listen. Écoutez, the king himself. Le roi lui-même has formed his prophet. Has formed his prophet. Il a dit à ses prophètes. He has his prophet. Il a ses propres prophètes. That prophesied unto him. Ah, qui prophétise pour lui. The prophesied things that he wants to hear. On lui prophétise ce qu'il veut entendre. Hallelujah. Today. Aujourd'hui. Most of us. La plupart de nous. We easily compromise because we want to hear what we want to hear. On se compromet facilement parce qu'on veut entendre ce qu'on veut entendre. Hallelujah. Amen. The Bible says. La Bible dit. King Jehoshaphat. Roi Jehoshaphat. Said, have you inquired from the Lord? Il lui a demandé. As-tu demandé à Dieu? You see, the prophet. The king. Le roi. He knew. Il savait. That there was a true prophet. Il savait qu'il y avait un vrai prophète. Among all the prophets. Parmi tous ces prophètes. There was one of them. Il y a un parmi eux. Who is not like the others. Il n'était pas comme les autres. His name is Michael. Son nom est Michael. The Bible says. La Bible dit. The king. Le roi. Did not like him. Le roi ne l'aimait pas. Because. Parce que. He tells the king. Parce qu'il disait au roi. Not what the king wants to hear. Il disait au roi ce que le roi ne voulait pas entendre. But what God wants to tell him. Il lui disait ce que Dieu voulait lui dire. Hallelujah. Amen. Today many people. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. They are flooding churches. Issus des églises. That is why. C'est pour cela. There are fetishes. Il y a des fétiches. That have put on coats. Ils ont mis des vestes. And have taken the Bible. Ils ont pris la Bible. And now they have become pastors. Et maintenant, ils sont devenus pasteurs. And they are deceiving people. Et ils trompent les gens. Because. Parce que. They know what the people want. Parce qu'ils savent ce que les gens veulent. Amen. Today, my wife was telling me. Aujourd'hui, ma femme me disait. That there is a woman. Il y a une dame. They said there was a woman in Ghana. Il y a une dame au Ghana. Whose profession? Et sa profession? Is to train people. Elle enseigne les gens. Who pretend? Qui prétendent? To be healed in a church. D'être guéri dans l'église. They are not sick. Ils sont pas malades. They will come.
Ils vont venir. When the pastor will pay them. Et le pasteur va les payer. And during the church service. Et durant le service de culte. The pastor will point at the person. Le pasteur va pointer cette personne. Some of them will do as if they are sick. Il y a certains qui vont faire comme s'ils sont malades. As if they have sicknesses. Comme ils ont des maladies. Some will even tie their legs with rope so that it will swollen. Il y a des gens qui bandent leurs pieds. So that it will be swollen, que ça gonfle. Ça gonfle. And put oil so that it will be shining. Et ils mettent de l'huile pour que cela brille. And they will come and see they are sick. Et ils viennent comme s'ils étaient malades. And the pastor will call them and pray for them. Hey, the pastor has done a miracle. So that people will come. Pour que les gens viennent. Because that is what the world wants to see now. Parce que c'est ce que le monde veut voir maintenant. Hallelujah. Amen. What the Lord says. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Will not always please you. Ce que dit le Seigneur va pas toujours te plaire. What the Lord says. Ce que dit le Seigneur. Will sometimes. Souvent. Cause you to leave your comfort zone. Cela va te permettre à quitter ta zone. One thing I've known about the Lord. Il y a une chose que je connais. When the Lord wants to talk to you, quand le Seigneur veut te parler, he does not look at what you are doing. Il ne regarde pas ce que tu fais. He comes when he wants to come. Il vient quand il veut venir. Sometimes when you are sleeping, souvent quand tu dors, and the sleep is very sweet, et le sommeil est très doux. That is why the Lord will wake you. C'est en ce moment que le Seigneur te réveille. Either you feel like going to women. Souvent tu as envie d'aller faire pipi. All of a sudden your eyes are open. Et souvent tes yeux s'ouvrent. You'll be enjoying the dream and all of a sudden your eyes open. Tu jures du rêve jusqu'à après tes yeux s'ouvrent. And the Lord says pray. Et le Seigneur te dit prie. Hallelujah. Amen. Sometimes you'll be watching catch. Souvent tu regardes catch. I like catch too much. Il parle de lui-même parce qu'il aime le catch. Hallelujah. I'll be watching catch. Then something will happen. Et quelque chose va se passer. Then a habit within me. Et il sent à l'intérieur qu'il doit prier. Hallelujah. At this time, are you going to put the TV off? En ce moment, vas-tu éteindre la télé? And pray. Et prier. Because the time is it pray. Parce que le moment où Dieu te dit de prier. It's a specific time something is happening. C'est très spécifique où quelque chose se passe. That is prayer. Et si tu pries en ce moment-là. That thing is going to stop. Et cette chose-là va s'arrêter. If you delay. Si tu retardes. That thing is going forward. Et ce truc là avance. Hallelujah. Amen. We who like football. Nous qui aimons le football. Sometimes you'll be watching. Souvent tu regardes. After they're going to score something. Ils vont marquer. Then all of a sudden. Et souvent. The TV will go off. Et la télé s'éteint. Or something will happen. Ou quelque chose se passe. That God says pray. Et Dieu te dit prie. Something you see when God wants to talk to you. Quand Dieu veut te parler. God will not come and shake you and say, "Dois, dois, dois." No. If you are very sensitive to the Spirit of God, your spirit, ton esprit, no matter who you are, quel que soit qui your spirit within, ton esprit, because you are born again, parce que tu es né de will let you feel ton esprit va that as God is talking to me. Que Dieu, en ce moment, Dieu you know, tu vas le savoir. And sometimes, et souvent, when it happens, quand cela ça arrive, you get angry. On en colère. It happens to me. Moi, ça sometimes when the Spirit says, stop. My wife will come. Ma femme vient. This catch. You like watching it too much. Tu aimes regarder le catch. Je vais éteindre la télé. I'm watching catch. You are coming to put off the TV. Je regarde le catch. Toi, tu vas éteindre la télé. Then I get angry. So sometimes I'm going to be. Then the Spirit of God will tell me it is time. I say pray. Et souvent quand yeah, je prie, I won't watch it again. I'm not even watching it. L'esprit de Dieu me dit de prier. Après de lui dire, je regarde même plus. Hallelujah. Sometimes I'll be watching and at the same time praying. Souvent je regarde et je prie. Sometimes I'll be sitting down watching it. Je suis en train de descendre et je regarde. I am distracted. Mais je suis distrait. Are you getting me? Est-ce que vous me comprenez? The Bible says. La Bible dit. The king. Le roi. Jehoshaphat. He asked the king of Israel. Il a demandé au roi d'Israël. Have you inquired from the Lord? As-tu posé la question à Dieu? He said, there is one prophet there. Il dit, il y a un prophète là-bas. Ask for him. Lui seulement. He does not talk good. Il dit pas de bonnes choses. I hate him. Je n'aime pas. Because the time I want
to enjoy. That is the time he comes. I want to enjoy. Au moment où je veux me réjouir, c'est en ce moment qu'il vient. Hallelujah. Yeah. Sometimes if you go into a covenant with the Lord. Souvent quand tu as une alliance avec Dieu. Be careful. Fais attention. Hallelujah. Amen. If you say God. Si tu dis Dieu. At 3 o'clock every day, I will pray. À 3 heures du matin tous les jours, je vais prier. Non, pas le matin même. Le matin c'est trop tôt. I'm talking about 3 p.m. Je dis à 15 heures. I remember I told myself one day. Un jour, je me suis dit, I realized Elijah prayed at 3. Je réalisais qu'Elie a prié à 3 heures. And fire came from heaven. Et le sacrifice. Et le feu est tombé du ciel pour brûler le That sacrifice. Is what we call the ninth hour. C'est cela qu'on appelle l'heure de nuit. I remember the same ninth hour. Je me rappelle de cette heure de nuit. Peter was praying. Pierre priait. When God showed him the miracle, the vision. Quand Dieu lui a donné une vision. Of going to give the Holy Spirit also to the Gentiles. Il allait donner aussi le Saint-Esprit aux géants. You see, in the tenth hour. Dans la troisième. Then in the ninth hour. Dans l'heure de nuit. You hear people pray when you read the Bible. Quand tu lis la Bible, tu as vu les gens. So the ninth hour. Cette heure de nuit. Is a very important time. C'est une heure très importante. In the time of prayer. Dans un moment de prière. Amen. That is why some pastors say, even if you can't fast, fast up to 3 o'clock. C'est cela on dit souvent. Il y a des pasteurs qui disent même si tu ne peux pas jeûner jusqu'à 18 heures, coupe à 15 heures. Because after 3, the ninth hour prayer après is very effective. Cette prière de nuit est très efficace. Pardon me, 3 o'clock. Oui. 3 heures. À 15 heures. 15 heures, merci. Hallelujah. When you say you pray at that time. Quand tu décides de prier en ce moment-là, that is the time. C'est en ce moment. Maybe phone call will come. C'est ce moment que tu vas avoir un coup de fil. That is the time. C'est en ce moment. Something will distract you. Quelque chose va te distraire. That is the time. C'est en ce moment. You will remember. Tu vas te souvenir. I have to go and post the letter. Je vais aller poster une lettre. That is the time. C'est en ce moment. You have left place. Je vous ai distraté. Tu auras si tu n'es pas fort et déterminé. Vous dites qu'à 7 heures, c'est l'heure de prière. Tu vas te compromettre. Hallelujah. Amen. I always say this and I will say it again. Je dis toujours cela et je le dis encore. When I was in Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire. One day I went to the shop to buy. Un jour je suis allé dans un magasin pour acheter. When I went, the guy there was a Muslim. Le monsieur avait été musulman. And when I got there. Quand je suis arrivé. He said, Monsieur. Il a dit, Monsieur. It is time for prayer. Il est l'heure de prier. Please. S'il te plaît. If you can wait for me. Si tu peux m'attendre. Just 15 minutes. Seulement 15 minutes. I'll come back. Je vais revenir. And do you good. Et je vais te servir. But this time I have to close. Mais maintenant je dois fermer. And because I have to go and pray. Parce que je dois le prier. And I was so touched. J'ai I was été tellement touché. There were so many stores. But what the man did? Est-ce que l'homme a fait? Touched me. M'a touché. Then the Lord spoke to me. Et aussitôt le Seigneur m'a parlé. If it were you, si c'était toi, will you have closed the shop? Est-ce que tu allais fermer le magasin? Or you would have compromised with the money coming? Ou tu allais te compromettre avec l'argent qui arrive? All the day you waited for customers, nobody is coming. Depuis la journée, tu as cherché les clients. The moment you want to pray, au moment où tu veux prier, that is the time the customer is coming. Moment que les clients. Are you going to compromise? Est-ce que tu vas te compromettre? I waited for the man. J'ai attendu l'homme. 15 minutes, he came back. Okay. 15 minutes, il est venu puis il a ouvert. Then he even reduced the price of the thing for me. Il m'a même baissé le prix. And he said, God bless you. Et il a dit que Dieu te bénisse. In addition, when I bought the thing. Quand je lui ai remis l'argent. And I was asking myself. Et je me posais la question. If it was a Christian. Si c'était un chrétien. Are we going to do the same? Est-ce qu'on allait faire la même chose? In every religion. Dans chaque religion, there is something good you can learn. Il y a quelque chose de bon que tu peux apprendre. Even if you don't agree with them. Même si tu n'es pas d'accord avec eux. Every religion. Dans chaque religion. I am not saying it is the good religion. Je ne dis pas que c'est une bonne but religion. But I'm saying that in every religion you know. Je dis dans chaque religion que nous connaissons. There is something you can learn. Il y a quelque chose que nous pouvons apprendre. Hallelujah. Amen. When you go to the Jehovah Witness. Quand tu vas chez les témoins des Jéhovah. They are witnessing life. Leur vie de témoignage. They will come to sack them tomorrow, they will come again. Ils viennent pour évangéliser, on les chasse demain, ils reviennent encore. If you can learn that, si on peut apprendre cela, it will help you. Cela va nous aider. The Muslims, les musulmans, their time of prayer, leur heure de prière. Even on the street, they will block the road and pray. Même dans la when rue, it is
If you can learn that, si on peut apprendre cela, it will also help. Cela va nous aider. The Christians, you Christians, Christians. Non, the Krishnas, Krishna. The following mention is Krishna. Krishna. Uh-huh. Those who they remove all the hair and leave some hair, sometimes they see. Il se rase la tête et laisse seulement une touffe au milieu. Une touffe, souvent il touche ici, souvent il touche ici. Hallelujah. When you enter into their system, quand tu rentres dans le système, there are people who study. Ce sont des gens qui étudient. They study, they read. Ils lisent beaucoup. They know the Bible, they know the Quran, they read. Ils connaissent la Bible, ils connaissent le Coran. So if you are a Christian and you also study and read, si tu es un chrétien aussi et que tu étudies et tu lis beaucoup, it will help you. Cela va t'aider. Hallelujah. Amen. When you take the Hindus, quand tu prends les Hindous, they have time. Ils ont le temps. They spend much time. Ils passent beaucoup de temps. To meditate. If you are a Christian, si tu es un chrétien, and you also meditate on the word of God, et que tu médites aussi la parole de Dieu, like you do, et si tu le fais, cela va t'aider. There are a lot of good things. Don't take the bad ones. Ne prends pas les mauvaises choses de ces religions-là. Even Jesus spoke to us and said, même Jésus nous a parlé, il a dit, be wise, sois sage, like the serpent, comme le serpent. He didn't say be the serpent. Il ne dit pas sois comme le serpent. Be wise. Il dit sois sage, like the serpent, comme le serpent. So there are so many. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Let's come to the story very quickly, then we close. Venons rapidement à l'histoire et on va clôturer. The Bible says. La Bible dit. Joshua said. Joshua a dit. King. Roi. No. Non. As for me. Pour moi. I want us to inquire from the Lord. J'aimerais qu'on demande à Dieu. Because whatever I do. Tout ce que je fais. I ask the Lord before. Je demande à Dieu d'abord. I'll go and fight with you. Je vais aller combattre avec toi. I'll help you. Je vais t'aider. But I want to know the mind of God. Mais je vais connaître de Dieu. Un chrétien. This should be your way of life. Cela doit être ta manière de vivre. In the area where you are working. Partout où tu travailles. In the family. Dans la famille. Wherever you are. Partout où tu es. You let the people know. Que les gens savent. That you don't do anything. Que tu ne fais rien. Without hearing from God. Sans avoir entendu de Dieu. Without God's confirmation. Sans la confirmation. To what you want to do. De ce que tu dois faire. Hallelujah. Amen. Oh, am I hearing you, amen? Est-ce que je peux entendre? Not by your own strength. Pas par ta propre force. Not by your wisdom. Pas par ta sagesse. Even above all your wisdom. Même au-dessus de ta sagesse. Above all your spirit. Au-dessus de ton expérience. You need. Tu as besoin. The word of God. La parole de Dieu. Peter said. Pierre a dit. When Jesus said. Quand Jésus dit. Cast the net. Jette le filet. The riser. Au côté. He said, Master. Il a dit, Maître. We have toiled all night. On a trouvé toute la nuit. Master. Maître. We are fishermen. We know where the moon appears and we can find fish. On sait où la lune apparaît, on part. We know where fishes hide in the sea. On sait où les poissons se cachent. But the whole night, toute la nuit, we have got nothing. On a rien. Then Jesus, Jésus, he looked at Jesus. He said, Master, il a dit, nevertheless, n'oublie pas. It means despite all that I know, il dit, au-dessus de I put de all that I know aside. Je mets tout ce que j'essaie de and your word, I take your word. By thy word. And when they obey, et quand il a obéi, and the Bible says they casted the net, et la Bible, ils ont jeté, they caught fishes. Ils ont eu beaucoup de poissons. So they were not beginning to pull. Ils étaient même they have to call other people to help. Ils étaient obligés d'appeler d'autres personnes pour aider. The word of God. La parole de what Dieu. Is the word of God c'est quoi la, qu'est-ce que tu dis la parole de if Dieu? You say you are a child of God, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, what does your father tell you? Qu'est-ce que ton père te dit? Before you leave the house, avant de quitter la maison, anybody who has a good family, toute personne qui a une bonne famille, when you are leaving the house, quand tu quittes la maison, especially when you are going to school, surtout quand tu vas à l'école, hey, go and learn. On te dit va apprendre. Don't go and play. Va pas don't jouer. Go and follow your friends. Va pas suivre tes amis. Don't go and smoke weed and do. Ne va pas fumer la study. Étudie. I will send you to school to study. Je t'amène à l'école pour étudier. Étudie. Yes, mama. Yes, daddy. Oui, papa. Oui, maman. Hello. Hi. So what does your God tell you before you act? Qu'est-ce que ton Dieu te dit avant que tu agisses? The Bible says. La Bible dit. When they went. Et quand ils sont arrivés. All the prophets. Tous les prophètes. They are prophesied. Ils ont prophétisé. And told the king. Et ils ont dit au roi. King. Roi. Go. Va. The Lord has given the land to you. Dieu t'a donné la terre. Then one of the prophets. Même fait une con.
l'intérieur. Et il a prophétisé, il a dit, by this, par ceci, will you chase? Tu vas poursuivre. He made a horn of iron. And he said, by this will you chase the Syrians. Il a dit, avec ceci, tu vas poursuivre les Syriens. When you read verse 11, quand tu lis le verset 11, he said, Ezekiel, the son of Shananiah, made him horn of iron. And he said, thus saith the Lord, with this shall thou push the Syrians until they have consumed them. Il a dit, avec ceci, tu vas pousser les Syriens jusqu'à ce qu'on consume. That is what the king wanted to hear. C'est ce que le roi voulait entendre. To win the battle. Pour gagner le combat. It's not all the battles you are going to win. C'est pas tous les combats que tu gagnes. You need the strategy of the Lord. Tu as besoin de la stratégie du Seigneur. Hallelujah. And the Bible says. Et la Bible dit. The messenger they sent. Le messager qu'ils ont envoyé. To go and call the prophet Micah. Pour aller parler au prophète Michaël. The Bible says. La Bible dit. When he got there. Quand il est arrivé là-bas. He told Micah. Il a dit à Michaël. He said. Il a dit. Hey, prophet. We don't want any unnecessary prophecies there. On veut pas de prophéties inutiles ici. Hein. Because all the prophets, parce que tous les prophètes, they have prophesied good. Ils ont prophétisé que du bien. He said the Lord says we should go. Ils ont dit que le Seigneur dit qu'on doit partir. Don't come and say anything negative. Ne viens pas dire quelque chose de négatif. Hein. You too prophesy good. Toi aussi dis quelque chose de bien. The prophet said, I hear you. Le prophète dit, je vous ai entendu. Let's go. On y va. So when they got to the kings, quand ils sont arrivés au roi, the king of Israel and the king of Judah, le roi d'Israël et le roi de Juda, Jehoshaphat a dit prophète, tell us the mind of God, dis-nous la pensée de Dieu concerning this battle, concernant ce combat. And he said, et il a dit, okay, oui, oh, the Lord has given it to you. Allez-y, le Seigneur vous a donné. But because Jehoshaphat has the spirit of God in him, parce que Jehoshaphat avait l'esprit de Dieu. He knew. Il savait. That is not what the prophet is to say. C'est pas ce que le prophète devait dire. So he told the prophet. Il a dit au prophète. Prophet. Prophète. Please. S'il te plaît. Tell us. Dis-nous. What God has said. Dis-nous ce que Dieu t'a dit. And he said. Et il a dit. Tonight. Ce soir. As I was sleeping. Pendant que je dormais. I saw the spirit. J'ai vu l'esprit. Coming before God. Venir devant l'esprit. For God said. Car Dieu a dit. I want to. Je veux punir the king of Israel, le roi d'Israël, because he has disobeyed me. Parce qu'il m'a désobéi. I want to punish him. Je veux le punir. And the angels say how? Et les anges lui ont demandé and pourquoi. The Bible says, et la Bible dit. You see, when you read verse 21, le verset, si vous lisez le verset, the king of Israel is called Ahab. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So when you read verse 21. He says, and there came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade him. Et l'esprit est venu devant lui, il a dit, je vais le poursuivre. Because God wanted to punish Ahab. I will persuade him. Persuade him. I will persuade him. Oh, is nobody finding it? Persuade him. I will talk to him. Verse 10. Verse 10. Verset 21, c'est la même chose, le mot persuade. Who shall persuade Ahab? L'Éternel a dit qu'il va persuader Ahab. Qui va persuader? That is who influence him, who cause him. Hallelujah. Oh, read. That he will go and fall. So God wanted the king of Ahab to fall. Dieu voulait que le roi d'Arab aille tomber. But it was not Jehoshaphat. C'est pas Jehoshaphat. It was the king of Ahab. C'est le roi and the king of Israel. C'est le roi d'Israël. That God wanted him to fall. Dieu voulait qu'il tombe. But because Jehoshaphat, it was his friend. Parce que c'était l'ami. There are sometimes there are curses that does not concern you. Il y a des malédictions qui ne te concernent pas. But you put yourself inside. Mais tu te mets à l'intérieur. Because you say this is my friend. Parce que tu dis celui-là est mon ami. Especially, there are some Ghanaians.
Sim is my friend. Si Pasteur Sami est mon ami. And I'm not talking to Mr. Kuma. Et je ne parle pas avec Monsieur Kuma. Mr. Kuma has not done anything to Joycelyn. Il n'a rien fait Pasteur Sami. But because I don't talk to him. Parce que je ne lui parle pas. She also won't talk to him. Elle aussi va me suivre et ne pas lui parler. Mr. Kuma will see Joycelyn and say, "Hello, my sister, how are you?" Il va me voir, il va me demander comment vas-tu, ma sœur. She will chill. How do you? Elle va chiper sur lui. Hallelujah. So the curses. Donc il y a certaines malédictions. Maybe God wants to punish someone. Dieu veut punir quelqu'un. Then you put yourself in compromise. Et tu te mets dans cette malédiction. And you take that curse. Et tu prends cette malédiction. Hallelujah. Alors qu'elle est prophète. Tell your neighbor, be careful. Dis à ton ami, fais attention. We are talking about the subject. Don't compromise. On parle du sujet. Tu n'es pas se compromettre. Hallelujah. He said the spirit came. Il a dit l'esprit est venu. And he said, look at what the spirit said. Regardez ce que l'esprit a dit. Read verse 22 to 23 for me. Simple as God talking and read. Verse 22 to 23. Je vais sortir la chair et cousue, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas. Tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Read to 25. 25. Read to 25. Alors, Sédécia, fils de Kenana, s'approcha, frappa Miché sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Miché répondit, tu le verras le jour où tu verras de chambre en chambre te cacher. Amen. Yes, one more question. Yes. From verse 22. The Lord said to him, in what way? So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the Lord said, you shall persuade him and also prevail. Go out and do so. Therefore, look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these prophets of yours, and the Lord has declared disaster against you. Now Zedekiah, the son of Shenana, went near and struck Micaiah on the cheek and said, which way did the spirit from the Lord go from me to speak to you? And Micaiah said, indeed, you shall see on that day when you go into inner chamber to hide. Amen. 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 Listen to me. Because he prophesied, parce qu'il a prophétisé, I saw que j'ai vu that the Lord says que le Seigneur a is going to allow lying spirit il va permettre aux into your prophets. Mensonge dans les and prophètes. They are going to prophesy lies. Et ils vont prophétiser que du and mensonge. That will bring disaster to you. Et cela va t'apporter le désastre. The head of the prophet, le chef des prophètes. The bishop of their prophets, l'évêque des prophètes, went and slapped Micaiah. Il allait, il a giflé l'ange Michael. Who are you? Et il a dit qui es-tu? That God will bypass me. Et Dieu va me dépasser. And prophesy to you. Et te donner des prophéties à toi. Who are you? Qui es-tu? I am the head. Je suis le chef. And mostly, et souvent, we pastors. Nous les pasteurs. You can be a pastor of a church. On peut être pasteur. And God can use some. Et Dieu peut utiliser quelqu'un dans cette église prophesy, pour prophétiser, to bring your mind to something. Pour amener ta don't tell the person, ne dis pas à cette personne I am the head pastor. Que je suis le pasteur en chef. Why should God bypass me and talk to you? Pourquoi Dieu doit me traverser? Have you forgotten? As-tu oublié? That the high priest Eli was there. Le sacrificateur Eli était là. When God used Samuel, quand Dieu a utilisé Samuel to prophesy, pour prophétiser, to tell him what was going to happen, pour faire ce qu'il devait, pour lui dire ce qu'il devait se passer. Hallelujah. Amen. Let us handle ourselves. Humilions-nous. Not to compromise. On ne doit pas se compromettre. With our feeling. Avec notre with our pride. Avec notre orgueil. With our mind. Avec notre with our spirit. Avec notre esprit. This is what is killing us. C'est ce qui nous tue. We always compromise. On se compromet à chaque fois. That is why Solomon. C'est pour cela que the wise king. Le roi Salomon. He said. Il a dit. Ne te mets pas sur ta propre compréhension. By all your ways. Dans toutes tes voies. Acknowledge God. Reconnais Dieu. Acknowledge God. Reconnais Dieu. And you will direct your path. Et il va diriger tes pas.
Hallelujah. Amen. The king, le roi, wanted to hear what he wants to hear. Il voulait entendre ce qu'il so despite the prophecy given to him, toutes les prophéties qui lui ont été données, he still went to the battle. Il est allé toujours au combat. But he thought he was so wise. Il pensait qu'il était tellement sage. You know what he did? Vous savez ce qu'il a fait? He told his friend, il a dit à son ami, Jehoshaphat, you see, take my robe. Prends ma robe. Put on my robe. Mets ma robe. My armor. Mets mes armes. Take my chariot. Prends mon chariot. Take my sword. Prends mon arme. And let's go. Et allons. I will dress like an ordinary man. Je vais m'habiller comme un homme ordinaire. And I will see. Et je vais voir. If what the prophecy is saying is true. Si ce que la prophétie dit est vrai. He thought he was wise. Il pensait qu'il était sage. So that if there had been any killing. Là, si on doit tuer quelqu'un, the killing will be on his friend Jehoshaphat. Là, c'est son ami Jehoshaphat qu'on va tuer. Are you seeing? Est-ce que vous comprenez? That is why the Bible says, woe unto the person who put his trust in man. C'est ça, la Bible dit que malheur à celui qui met sa confiance en un être humain. His best friend. Son meilleur ami. He said, the king, if you go to the battle, you will die. On dit, roi, si tu vas au combat, tu vas mourir. He said, I don't believe it. Je crois pas en cela. But, mais, my friend. Mon ami, put on my dress. Prends tous mes vêtements. So that let's go to the battle. Et allons au combat. He knew what the prophet was saying is true. Il savait que ce que le prophète disait était vrai. He wanted somebody to die instead. Il voulait que quelqu'un meure à sa place. And when they went to the battle, et quand ils sont allés au combat, the Bible says, la Bible dit, the king of Syria, le roi de Syrie, he told all his army, il a dit à toute son armée, don't look for anybody. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Only look for the king of Israel. Cherchez seulement le roi d'Israël. Hallelujah. Amen. Because when the king is conquered, parce que quand aussi le roi est vaincu, they are all conquered. Puisqu'on les a tous vaincus. Hallelujah. Amen. So the Bible says, la Bible dit, when they went to the battle, quand ils sont allés au combat, all the officers, tous les officiers, all the enemies, tous les ennemis, they were chasing Jehoshaphat. Ils poursuivaient Jehoshaphat. Because he was putting on the dress of King Ahab. Parce qu'il avait le roi de les vêtements du roi Israël. They were chasing him. Ils le poursuivaient. So now Jehoshaphat saw that he was going to die. Et Jehoshaphat savait qu'il allait mourir. He turned. Il s'est retourné. And he started crying. Et il a commencé à pleurer. The king. Et les gens m'ont regardé, ils ont dit, non, c'est pas le roi. Like si c'était le roi, il n'allait pas pleurer comme ça. Hallelujah. Amen. That is what saved his life. C'est ce qui a sauvé sa vie. Do you compromise? Est-ce que tu te compromets? He knew God says they shouldn't go. Il savait que Dieu a dit qu'il n'est pas parti. But he went. Mais il est parti. Because he compromised with his friend. Parce qu'il s'est compromis avec son ami. Who did not believe in the prophecy. Qui ne croyait pas à la prophétie. And who didn't also want to die. Et qui ne voulait pas non plus mourir. Who wanted him to take his place. Il voulait que l'autre meure à sa place. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. None of you will die at the place of someone. Personne ne mourra à la place de quelqu'un d'autre. I declare in the name of Jesus. Je déclare au nom de Jésus. That you not compromise with anybody. Tu ne vas pas te compromettre avec quelqu'un. Whether it be a prophet. Que ce soit un prophète. Whether it be a friend. Que ce soit un ami, que ce soit un parent, quelle que soit la personne, when God talks to you, quand Dieu te parle, that you are not allow anybody, tu ne vas pas permettre à quelqu'un to take you away from God. De te retourner de Dieu. I said, don't compromise. Ne te compromets pas. Don't compromise. Ne te compromets pas. Because if you compromise, parce que si tu te compromets, because of somebody, à cause de quelqu'un, you will die. Tu vas mourir à la place de cette personne. Hallelujah. Amen. Today, my word for you. Aujourd'hui, ma parole pour toi. The word that God has given to us. La parole que Dieu nous a donnée. Do not compromise. Ne te compromets pas. Don't allow. Ne permets pas. The radio. Les radios. Program on the radio. Les programmes de radio. Take your time. De prendre ton temps. First, there was a woman when I came to France. Au début, il y avait une femme quand je suis venue en France. I will not mention her name. Je n'ai pas mentionné. She liked watching. De l'amour. Elle aimait bien regarder les feuilles de l'amour. The film they call Reckless in English. Les feuilles de l'amour. When even she had time appointment to go away, she said she won't go. Même quand because she falls within the time, feuilles de l'amour. Elle refusait de partir parce que quand il est l'heure, elle devait regarder les feuilles de l'amour. When I came, she explained the feuilles de l'amour. I started watching it and I saw that hey, when you don't watch it. Je commence aussi à regarder. I bought a telephone which the TV, there was TV on it at 1 o'clock. Il y avait une télé. When I'm working,
très jeune, j'allais me cacher et regarder cela. I think, no, this thing is having control over my life. Après, je dis, oh, ce truc-là, tu veux prendre un contrôle sur ma vie. Some of the films you watch, do you know what incantations they have made? Souvent, les films que vous regardez, vous savez les incantations qu'ils ont fait. Hallelujah. Amen. Let me say this without fear. Je vais dire cela sans avoir peur. I was very surprised to find out. Football we watch, we think we are just playing. Le football que nous regardons, nous on pensait qu'ils jouaient. Do you know that Brazilians they worship football? Savez-vous que les Brésiliens adorent le football? They have a temple where they put sacrifice and they worship like we in our hometown we have Apollodi and we have Tanguy and these people. Ils adorent le football comme par exemple en Côte d'Ivoire, on adore le Tanguy, les gens vont, ils adorent les autres. They worship, they pour la bêche, they do everything. Ils font des incantations, ils adorent le football. Le football. But even then, même cela, nowadays they don't win the World Cup. Ils ne gagnent même plus en ce moment, malgré qu'ils adorent. It has changed. It is changé. It is only God. C'est seulement Dieu. Hallelujah. So let us be careful. On doit faire attention. Please don't compromise. S'il te plaît, ne te compromets pas. The time is very short. Les temps sont très courts. Jesus is coming very soon. Jésus revient très très bientôt. Don't let us compromise. Ne nous compromettons pas. If it is sin, si c'est le péché. If it is woman, si c'est les femmes. Now that you are going to see beautiful, beautiful, beautiful. Si c'est les belles femmes, c'est maintenant que vous allez en voir plein. Most of them are witches. La plupart des femmes. Most of them are agents of the devil. La plupart de ces femmes sont les agents du diable qui est envoyé. So that you not go to heaven. Pour que tu ne pars pas aussi. This is the time you are going to see the handsome men. C'est maintenant que tu vas voir des belles hommes. Men with hair in everywhere. Des hommes avec des poils partout. Hallelujah. There are women say when I see the hair, I can't resist. Il y a des femmes qui disent quand je vois des hommes poils. The hair on the nose. Vous allez voir some of them are, most of them are agents of the devil. La plupart de ce sont des agents. Because they know this is what you want. Parce que le diable. They know you easily compromise. Le diable c'est que tu vas facilement te compromettre. Tell yourself. Dis-toi. From today. Que à partir d'aujourd'hui. No compromise. Pas de compromission. Oh, tell yourself from today. Dis-toi. You are not telling anybody. You are telling tu yourself. Tu ne dis pas à quelqu'un d'autre. Tu te dis à toi-même. From today. Que à partir d'aujourd'hui. No compromise. Je ne vais plus me compromettre. What I'm supposed to do, ce que je dois faire, je vais le faire. What the Lord wants me to do, ce que le Seigneur aimerait que je fasse, je vais le faire. My relationship with the Lord, ma relation avec le Seigneur, nothing will distract me. Il n'y a rien qui va me distraire. In the name of God, the Father, au nom de Dieu le Père, Son, le Fils and of the Holy Spirit, et du Saint-Esprit. Let's stand. Lèvons-nous. Oh, if you are talking, clap well. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What is happening between you and your friend? Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami? Everybody says you are right. Tout le monde dit que tu es juste. You can do this, you can do that. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. But what is the Lord telling you? Qu'est-ce que te dit le Seigneur? It's not what everybody is saying. C'est pas ce que tout le monde dit. It's what the Lord is saying. C'est ce que le Seigneur dit. I don't know why I'm talking like this. Je ne sais pas pourquoi je parle. Maybe comme you are ça. Watching me on the Facebook. Peut-être tu me regardes sur Facebook. Maybe you have purpose not to forgive somebody because of what he has done to you. Peut-être que tu as planifié de ne pas pardonner quelqu'un à cause de ce qu'il t'a fait. What he did is evil. Pay him back. Pay him back. Tout le monde te conseille. Tout ce qu'il a fait n'est pas bien. Pour me rendre cela. The Lord is saying forgive. Et le Seigneur te dit pardonne. Just let it go. Pardon juste. Maybe your father did not take care of you. Peut-être que ton père n'a pas pris soin de you toi. You have been rich now. Maintenant tu es riche. He is suffering. C'est lui qui souffre. You say, I remember what he did for did to me. Je me souviens de ce qu'il m'a fait. I'm going to pay him back. Je vais le payer. No. Je vais le punir. Forgive him. Pardonne-le. Don't compromise with the devil. Ne te compromets pas avec le diable. Maybe the Lord allow you to be rich so that you'll be able to help him. Dieu t'a permis aujourd'hui d'être riche. Que tu sois capable d'aider. So il saura que ce n'est pas lui qui a pris soin de toi, mais Dieu t'a a pris soin de toi. Lift up your hands wherever you are. Lève la main partout où tu es. I want us to pray. J'aimerais que tu pries. Lord, help me. Seigneur, aide-moi. Not to compromise. Aide-moi à ne pas me compromettre. With the enemy. Avec l'ennemi. Help me to resist the devil. Aide-moi à résister in au diable. The name of
Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In every aspect of my life. Dans tout domaine de ma vie. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Prie au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, the devil is using nowadays so many areas, so many tricks, so many things, things that we love even more. Father, to deter us from worshiping you in spirit and in truth, deterring us from loving you, deterring us, taking us away from that which you want us to do, that which we love at first. That we were doing. Father, we remember your word says we should not forget our first love. But Father, we are forgetting because things that we love personally is obstructing us from God and we are yielding to them. Father, we pray in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, we call upon you like the Gibeonite call of Joshua. And he came instantly and fought on their behalf. Lord Jesus, we call upon you, fight on our behalf. We pray that we will not compromise with the enemy. We pray to them. We pray that we have heard any words of them in the name of Jesus, that we have heard the voice of the Spirit alone. In the name of Jesus, in our way, whatever we are going, whatever we are doing, Father, every day you talk to us, open our ears to hear and let us do what you want us to do by the leading of your Holy Spirit. We thank you that, Lord, we are your children. We thank you that you love us. We thank you that you hear us when we pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.